Eh bien, salut à tous les amis, c'est McFly86. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur Fishing Planet pour le poisson castor. Je sais, j'aurais pu le faire bien avant certains autres tutos. Sauf que, avec la mise à jour, il y a pas mal de trucs qui ont changé, même pour le poisson-chat. C'est de plus en plus dur à choper, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Ils ont voulu rendre le jeu plus réaliste, et malheureusement, je pense qu'ils ont fait un peu de trop et qu'il est un peu trop réaliste. Mais bon, ça, on n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons le jeu, c'est comme ça. Bref, donc tuto sur le poisson castor, tout simplement parce que dans le chat, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que je faisais des bonnes vidéos par rapport à mes tutos de Fishing Planet. Donc merci à vous, si vous voyez cette vidéo, je vous remercie. Tout d'abord, ça fait plaisir d'entendre ça, enfin qu'on me dise ça. Et du coup, ils m'ont dit, et pourquoi tu ferais pas un tuto sur le poisson castor? Ça serait chouette. Eh ben j'ai écouté, pourquoi pas, c'est parti, on fait un petit tuto sur le poisson castor. Voilà tout. Alors, on est au Missouri, rivière Moodwater. Pour l'appât, ça va être moyenne tranche de poisson, hameçon 2, schlass 0, profondeur, je me souviens plus. Je vous dirai ça après, lol. Il me semble que c'est 250, hein. Je crois que je suis au max. Je dois être à 250, mais je suis pas sûr. Je suis plus sûr, je sais plus, je sais plus. Bref, il est 11h, par temps nuageux. Donc là, vous suivez la courbe, hein, clairement. Vous suivez la courbe, vous suivez la courbe. Pour vous dire, n'empêche à quel point la mise à jour a changé. Le jeu, tout simplement parce qu'il y a plein de gens maintenant, ils ont du mal à choper du poisson-chat. Même moi, j'ai du mal à les choper. Parce qu'avant, on se mettait à 250 de fond, avec un hameçon de 2 à peu près. Et en appât, on pouvait prendre petite tranche, moyenne tranche, petit pois, maïs, plein de trucs. Et ça mordait. Le poisson-chat était là, à n'importe quelle heure. Bon, bien sûr, en plein boom de la courbe, on avait plus de chances de les prendre plus rapidement et d'en prendre plus. Sinon, on en prenait quand même à n'importe quel moment, n'importe quel temps, n'importe quelle heure. Alors que maintenant, je me suis renseigné un petit peu. C'est toujours moyenne tranche de poisson, hameçon 2 schlass 0. Mais ça va être à partir de 10h, par temps ensoleillé, des trucs comme ça, parce qu'ils sont timides, et nanana, enfin voilà. On peut plus les prendre quand on veut, n'importe quand. J'ai testé avec petite tranche de poisson, ça marche aussi. J'ai testé avec petit pois, maïs, marshmallow, les trucs qu'on utilisait avant. Hein, ça marche plus. Enfin, du moins, j'en ai pas pris. Et j'ai essayé pendant un long moment. Donc, ça fait chier. Voilà. Ça fait chier. Franchement, créateur du jeu, si vous voyez ma vidéo, ça m'étonnerait. Mais je parle au nom de beaucoup de pêcheurs sur ce jeu. Vous faites chier. Voilà, j'avais envie de le dire. Vous faites chier. Vous avez voulu rendre le jeu réaliste. Ok, c'est bien. J'ai rien contre. Mais là, c'est plus que réaliste, hein. Si vous faites un jeu de pêche, faut mettre des poissons dans le jeu de pêche, hein, quand même. Faut pas enlever les poissons. Sinon, ça marche moins bien. Enfin voilà, c'était ma petite parenthèse, petit coup de gueule. Entre guillemets, pour les créateurs du jeu. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Hop là, c'est parti. N'hésitez pas à partager la vidéo en espérant que ça aille jusqu'à leurs oreilles. Parce que faire quelque chose là, c'est horrible. On peut toujours pêcher du poisson, mais je veux dire, pour vous dire, je suis encore niveau 16, quoi. Et j'ai pêché, hein. J'ai pêché, hein. Et je suis encore niveau 16. C'est un truc de ouf. Ça fait chier. Vivement le niveau 17. Afin de pouvoir m'acheter la licence étendue de la Floride.
pour les Everglades. J'ai déjà fait un tuto dessus, j'y ai déjà été, mais j'avais juste une petite licence basique. Et le truc de la licence basique, bah, on peut pas prendre les uniques, il y a les trois quarts des poissons, on peut pas les prendre. Si c'est un trophée, on peut pas le garder. Enfin voilà, unique, on n'a pas le droit de les pêcher, trophée, on n'a pas le droit de les garder, les normaux, on peut les garder. Mais bon, voilà, ça devient vite chiant parce que c'est une seule variété de poissons qu'on peut prendre, ces espèces de perches là qui ont un nom bizarre. Voilà, donc c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc niveau 17 pour la licence étendue. Donc voilà le petit castor. Nickel. Licence étendue, donc très important. Bon, bah vous voyez, hein, 1,8 kg. C'est pas énorme. Sachant qu'avant la mise à jour, donc deuxième coup de gueule, avant la mise à jour, mon poteau Drake Logan 31 a fait une vidéo sur tuto sur le poisson castor. Où il fallait se mettre à 100 de profondeur, une petite tranche de poisson, partant ensoleillé dès 5 h le matin. Là, je sais pas si. Voilà, dans le coin des nénuphars, là, environ entre 23 et 25 mètres. Vous lanciez, hop, et bim! Et là, c'était poisson castor trophée de 3 à 4 kilos. Là, c'était nickel, ça marchait à coup sûr, on en prenait v'là la masse. On a bien XP grâce à ça. Et maintenant, bah voilà. Maintenant, la seule technique que je peux vous donner, bah, c'est ça. Enfin, voilà. Donc voilà mon coup de gueule. Donc je vous montre vite fait, profondeur quand même. Pas j'oublie. Ça serait ballot. Profondeur, oui, voilà, j'avais raison. Donc 250 mètres. Enfin non, 2 mètres 50, 250 centimètres, pardon. La canne et le moulinet, bah, on s'en fout, hein, chacun son matos. Hein, concrètement, voilà. Hameçon de chelas 0, moyenne tranche de poisson, voilà, et ça rapporte. Ça rapporte, ça rapporte. J'ai pris un poisson chat aussi. Ça rapporte que dalle. Ça rapporte que dalle. 10 $ et 46 et 48 d'XP. Alors qu'avant, ça rapportait beaucoup plus. Sachant que si vous arrivez à choper un trophée, quand même, c'est une centaine d'XP. Donc là, ça vaut peut-être le coup, par contre. Ça vaut même grave le coup. Mais voilà. C'est quand même chiant. Bon, bah les amis, sur ce, donc je vous montre. Hop, donc ici, hein, dernier jour d'été, n'oubliez pas. Hein. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Bonne pêche à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao!